De temps en temps, vous, si le soleil tape, de temps en temps, vous le tournez. Hein. Gabriel Thomas, c'est comment? Je suis là, oh, je suis là, je vis non mes gens. Je suis là. Je dis que je suis arrivé sur Yaoundé hier. Je suis arrivé sur Yaoundé hier nuit. Je suis arrivé. Bonjour Madoka. Tu nous as manqué, c'est vrai. Me voici alors. Me voici, plantain tendu, me voici. Donne-moi alors ce que tu voulais me donner. Que tu me cherches depuis là. Me voici. Donne-moi alors. Vous avez dit que oh, Madoka, tu es vieille pour Facebook. Maintenant, il quitte Facebook. Vous me cherchez encore. C'est pas vous qui avez dit que tu es vieille pour Facebook. Hein? C'est pas vous qui dites ça tout le temps. Maintenant que je quitte Facebook, vous me cherchez pourquoi? Arrêtez de me chercher. Arrêtez de me chercher. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Hein? Ce n'est pas vous. Il passe votre temps ici à dire que oh, oh, Dorcas, quitte Facebook. Tu es à vieille pour Facebook. Quitte Facebook. Maintenant qu'il quitte Facebook. je t'attends depuis. Il y a quoi, non, Sandra, chez Foué? Il y a quoi sur Meta? Dites-moi, pardon. Venez m'affairer. Il y a quoi, eh? On t'a fouillé, fatigué. Facebook chauffe, maman. Ton décryptage nous manque. Ah bon, vous avez dit que tu viens pour Facebook. Non, je ne viens plus à Facebook. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Arrêtez de m'envoyer des cœurs. Vous m'avez trop clashé sur Meta. Que vous, oh, une vieille femme, tu viens pour Facebook. Maintenant, je respecte ce que vous me dites. Je quitte Facebook. Hein? Maintenant, vous êtes Madoka. Madoka. Bonjour, notre star. Pas des histoires soi-disant contenaces. Hé hé! Bon, vous connaissez chercher des problèmes. Flore Semini. Tu veux me dire prononcer le nom là, c'est pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous aimez les problèmes? Hein? Mm. Pardon, le mbrakata de Facebook là, épargnez-moi. Hein? Pardonnez. Pardonnez, vous avez dit que je suis vieille. Je ne fais plus les décryptages. Vous avez dit que je suis vieille pour Facebook. Que oh, la vieille femme là. Toi la vieille femme là, tu peux pas quitter Facebook. Toi la vieille femme là, hein? Tu peux pas quitter Facebook. Tu fais quoi sur Facebook? Maintenant que je suis quitté, vous me cherchez. Arrêtez de me chercher. Bonjour Madoka, tu nous as abandonné. Vous avez dit que je quitte Facebook. Vous avez dit que je quitte Facebook. Que je suis trop vieille pour Facebook. Je quitte Facebook. Vous me cherchez pourquoi? C'est trop beaucoup, hein. Commence, tu es Mami Soko, non? Tu es Mandon Japap. Commence par le commencement. Tu me racontes, maman. Entre dans le live. Envoie ta demande, maman. Tu vas me donner le briefing de tout le Soko. Entre dans le live, maman. Tu vas me donner le briefing de tout le Soko, maman. Tu as le temps, non? Sandra. Entre, Sandra, chef, oui. Entre dans le live, maman. Tu me donnes le Soko. Tu n'oublies rien. Ah bon? Ouais. Vous avez vu mon prunier là, non? Vous avez vu, non? Regardez comment mon prunier brille là-bas. Hmm? C'est parce qu'à un moment, tu faisais le décryptage de aide-moi à détester. Maman, pardonnez. Quand elle veut faire le décryptage, si c'est dans votre sens, c'est bien. L'autre sens, ce n'est pas bien, maman. On va m'encercler sur Facebook. Je suis fatiguée des décryptages. Les gens n'aiment pas la vérité sur Facebook. Ambuga Salah, c'est comment, non, Lago? Lago, on dit quoi? Eh, ma personne. Ma personne qui me farotait les étoiles, elle m'a lâché. Montre mes tricots là, je montre à mes fans, maman. Quand vous me négligez là, vous croyez que quoi? Hein? Quand on vous dit que d'être les voisins des vrais gens, vous la voyez, non? Dès que ça arrive, regardez. Hein? Les tricots qu'on m'a donné.
Vous avez vu? Voilà. Maman m'a donné ça. Hé hé. Maman, regardez. Maman. Ça, c'est. On écrit quoi ici là? Journée mondiale de la population 2024. Données inclusives pour protéger la dignité humaine et la vie dans les sites humanitaires. Vous avez vu, non, mes gens? Regardez. Papa, ma soupe, t'as pas combien? Un an. Regardez. Maman. M'attendait seulement avec ma voisine. Une de mes voisines, Bobo. Tu vas fermer la chambre. Bonjour Madoka, comment tu vas? Claire et quoi, je suis là, maman. Ça va. Madoka du Cambino n'est plus président des blogueurs. C'est maintenant sur mon chic. Maman la Yérique. Oh, maman. Il était d'abord quel genre de président? Qui l'avait même nommé président? C'est tout Flore qui vient toi avec ces choses-là que le président. C'est tout Flore qui l'avait mis ça. Maman, elle est encore destituée. Ouh, ouh. Maman, j'ai pitié de du Cambino. On peut lâcher quelqu'un comme ça, comme un caleçon déchiré. Maman. Maman, je valide. Je valide. Le nouveau président, c'est Saumon, maman. Même comme Bunga est bipolaire, comme quoi là, mieux, on le met là-bas. On le met là-bas, maman. Président des blogueurs, court comme deux pour ma genou. Linda, mon œil, c'est comment, maman? C'est comment la gauche, quoi, on dirait? Linda. Linda avec moi quand je suis avec elle, quand elle ne clash pas, Flo, si elle clash pas, maman, Linda m'encercle. On peut faire ça. Hey! Maman, je connais déjà ma place avec Linda. Non, c'est Tata Lolo qui l'avait nommé. Ah bon, hein? Moi, je ne savais pas que c'est Tata Lolo qui l'avait nommé. Mado, on a fait le coup d'état à Duca. Non, il mérite, maman. Il mérite jusqu'à. Il n'est plus président. Pian, la team des USA. Du Cambino, il n'est plus présent des blogueurs. Il est trop court pour être président. Du Cambino est en pleine dépression. Il crie qu'il est victime de tribalisme. Maman, l'âme de... Comment je peux appeler ça, maman? Hein? Quand les gens sont à court d'arguments, ils prennent des propos comme ça, ils mettent devant parce que ils veulent que les gens aient pitié d'eux. Ils veulent la compassion, ils savent que si que c'est parce qu'il est pas qu'on veut faire le tribal, les gens vont avoir pitié. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. Tu n'as rien offert aux gens, dis donc, va chier. Ouais, où est le ciseau, non? Quand tu coupes les bêtises, c'est qui tu ça. Mais Jean, je suis arrivé à Yaoundé à 2h le matin. Hein. Je suis arrivé sur Yaoundé à 2h. Il y a eu trop de problèmes en route. La voiture, les problèmes, les nids aussi en route, tout ça. On est arrivé ici à 2h, fatigué comme il n'est pas permis. Il est présent pour eux. Hein. De toute façon, il est tourbillon. Ah, on va être président. Ouais, vraiment. Je ne sais pas. On a souffert, mais Jean, j'ai un problème. Hein. J'ai un sérieux problème. Il n'y a plus le soleil pour sécher le couscous. Donc, du coup, je suis venu à Yaoundé pour chercher un séchoir. Ok? Je suis en train de vouloir sortir. Je ne vais pas jouer dans le live. Parce qu'il va sortir tout à l'heure. Si quelqu'un connaît là où on vend un séchoir, et séchoir là, pardon, dites-moi ici là. Je peux trouver ça où, mes gens? On m'a indiqué, j'ai une follower qui m'a indiqué un magasin à Douala, mais je ne peux pas conduire pour aller jusqu'à Douala. Lily de la tour, on dit que maman. Maman, je suis sortie de la boule, Lily. Je suis arrivée hier à 2h au matin. Je te dis. Je suis venue parce que j'ai besoin d'un séchoir, Lily. J'ai besoin d'un séchoir. Eh, mes fans, achetez-moi le séchoir, non. Je peux trouver ça dans quel magasin, non? On peut trouver ça. Ok, une idée de là où il peut trouver un séchoir. Ici, là, à Yaoundé. Le vrai nom, ce n'est pas séchoir. Le vrai nom, c'est... Comment on appelle ça?
J'ai ça ici chez moi, mais le petit modèle. J'ai ça ici à la maison. Le petit modèle pour... S'il te plaît, remplis bien mon sac de couscous. J'ai une grande concession. Ouais, vraiment, les gens... Mais j'ai trouvé moi le séchoir. Les gens passent les commandes, mais j'ai un problème. Le soleil ne donne plus. Voilà une dame encore qui vient encore de... On livre dans le macabre ce week-end. Et... Ok, c'est bon. Ok, mais il n'y a pas de problème. Bien charger ton sac. Ton sac de macabre et de, ton sac de foufou sera bien chargé. Bien te charger ça. Tous ceux qui ont pris chez moi, écris seulement. Oui, sèche tout. C'est, non, 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 l'autre là, c'est le couscous samboul. Viens avec ceci, je montre aux gens. Viens avec ça, pardon. Ça, c'est le couscous samboul. Maman, j'ai fermé le couscous. Non, pas la bâche. Comment? Je parle pas de la bâche. Je parle du séchoir. On parle du séchoir. Je parlais de la bâche, Léandra. Choco, comment tu es comme ça? Quand il m'a dit que tu es bête, tu m'as dit qu'il était insulté. Voilà, donne-moi ce que j'ai à... Voilà le couscous samboul. Ça là, je n'ai pas encore nettoyé. Ça, j'ai déjà nettoyé. Ça, c'est pour les connaisseurs. Donne-moi, vas-y. J'ai ça, hein. Yeah, le sac. Non, donne-moi les... Donne-moi même 10, ça, les mecs. Ça, c'est pour les connaisseurs. Ok? Bonjour, maman. Mario. Bonjour maman, ça fait longtemps maman, j'espère que tu vas bien. Maman, je suis moi qu'au champ maintenant. Voilà le couscous samboul. Ça là, je n'ai pas encore nettoyé. Voilà, elle est nettoyée. Vous voulez le sac, je livre. Voilà. Ça c'est pour les connaisseurs. Ça c'est pour les connaisseurs. Le couscous samboul, c'est pour les connaisseurs. Ok? Parce que ça là coûte un peu plus cher que l'autre couscous. Mais si vous voulez ça, je vous livre ça au même prix. Parce que j'ai le manioc en abondance. J'ai le manioc en abondance. Vous voulez ça là, le sac de ça, je vous livre au même prix. Donne-moi les autres. Donne-moi encore même. Donne-moi même 5. Voilà. Il y a ça. Donc, je ne suis pas au champ pour m'amuser. Quand vous ne me voyez pas là, je ne m'amuse pas. Donc avant de vous livrer, on nettoie. Je nettoie avant de vous livrer. Voilà ça. Voilà. Le couscous samboul. Voilà. C'est pour les connaisseurs. Il y a les gens que leur maman ne mange pas les autres couscous. Mais c'est leur maman. Il y a une abeille de fleur. Celle que vous avez dit qu'elle avait acheté. Elle a acheté au terrain juste en face de moi là-bas. Dans mon truc à doigts là. Sa maman a dit qu'elle veut seulement le couscous samboul. Elle aime que ce n'est que ça qu'elle mange. Vous voulez le sac de ça, de couscous samboul. Les longs sacs, je vous fais ça à 55 000. 55 000, on vous livre. Le couscous samboul. Voilà ça. C'est le bon couscous. Et c'est beaucoup, hein, parce que c'est beaucoup de couscous que... On entasse, et quand ça sèche, ça... Donc, il y a deux boules comme ça, où tu tires ça à la mamie. Toi-même, tu vois ça dans la mamie. Voilà le couscous. Voilà. Ça, c'est pour les connaisseurs. Le couscous samboul. J'ai ça. Ceux qui veulent, vous passez les commandes. Oui. Mais laisse ici dedans. On ne sèche pas ça. Ce n'est pas comme l'autre. Maman, si vous êtes là pour écouter seulement l'odeur de ça, l'odeur, vous avez vu, non? Et ça, voilà, ça là n'est pas encore nettoyé. Ceci est nettoyé. Ça n'est pas nettoyé. Mais là-bas, il n'y a pas le réseau. C'est comme il y a le chat. Milliardaire, c'est comment, non? Voilà. Mon numéro, je vais épingler mon numéro. Ceux qui veulent passer les commandes. Je vois que c'était... Parce que on se met ça ailleurs, le réseau part.
Ouais, envoyez les cœurs, non, mes gens. Envoyez les étoiles. Envoyez les cœurs. Appréciez quand c'est bien. Quand je clashais, vous envoyez les étoiles. Maintenant que je ne clash plus, vous avez dit qu'on sort des clashs. On fait autre chose. Maintenant, je fais autre chose. Maman, c'est bon jusqu'à. C'est bon. Le couscous, c'est le manioc qu'on a, on fume au feu. C'est le manioc qu'on fume au feu. Si vous étiez là pour humer seulement l'odeur, c'est la guerre. Donc, commandez. Commandez, mes gens. On vous livre. Commandez, partagez le live, non? Si le clash, c'est que c'est y a 1000 partages. Vous avez dit qu'on laisse le clash, qu'on fasse autre chose sur Meta. Tout le monde est en train de faire autre chose. Moi, voici aussi, j'ai fait ma part, non, mes gens. Je suis dans la nourriture. Commandez la nourriture, on vous livre. Commandez les foufous, on vous livre. Ouais. Je ne peux même pas avoir 100 personnes qui peuvent m'appeler là que Madoka, si je veux un sac. Madoka, je veux un sac. Donc, vous croyez, vous ne mangez pas chez vous. Prenez le foufou, hein. Vous stockez à la maison, vous mangez doucement, doucement. Voilà. Poste le numéro. Voici mon numéro, ma chérie. 677 38 0 0 6 98. Voilà mon numéro, ma. Tu n'as pas les sandales. Ah, ok. Vu que connexion lente, pourquoi? Pourquoi je n'arrive? On ne me permet pas d'épingler le numéro. Voilà mon numéro, maman. Pas mon numéro. Donc, commandez le foufou en boule. Voilà le foufou en boule. Passez vos commandes. Passez vos commandes. Voilà, Kelly Sangou, bien, maman. Viens inbox, on va te livrer. Viens inbox, ma chérie. Je vais livrer un sac. J'ai encore 4 sacs à livrer chez la reine galloise le 7. Parce qu'elle a un événement encore le 7 là-bas, dont les mamans vont venir prendre encore la nourriture. J'ai les gens qui ont commandé 4 sacs que je vais aller livrer chez la reine galloise. Parce que la dernière fois, les gens ont beaucoup commandé. Donc, j'ai livré jusqu'à 4 sacs et resté. Elle a dit que prochain événement, je vais venir avec les 4 sacs. Donc, le prochain événement, c'est le 7. J'irai déposer 4 sacs. Parmi les 4 sacs, il y aura un sac de foufou. Il y aura le foufou-ci également. Je vais aussi lui livrer ça. Je vais livrer aussi les tubercules. Donc, venez commander. Ceux qui veulent que je livre aussi chez la reine galloise, écrivez-moi. Le 7, on va livrer aux enfants différents. C'est ça. Donc, pour le moment, j'ai besoin d'un séchoir. Commandez la nourriture pour que j'ai l'argent pour acheter le séchoir, non, mes gens. Commandez la nourriture. Encouragez-moi. Commandez la nourriture pour que j'ai l'argent pour acheter le séchoir. J'ai besoin d'un grand séchoir. Ah, le milliardaire, tu dis quoi? Que je donne encore un sac chez la reine galloise. Hein, le milliardaire? Le milliardaire, réponds non. Tu dis que quoi? Que je donne encore un sac? Ok, le milliardaire dit que je donne un sac à la reine galloise. D'accord. Donc ta personne va m'envoyer les dons, non, le milliardaire, comme la dernière fois. Maman, l'amour de ça. Hey! Le milliardaire, sa personne, maman, l'amour de ça, l'argent des USA. On va sauf que manger ça. C'est comme 55 000, non? C'est 55 000. On livre. Je vais lui livrer un sac comme ça de boules. Je bande ça là, c'est parce que j'ai beaucoup le manioc, je vais livrer. Je donne. La personne qui veut le sac en boule, je donne. C'est ça. Donc, commandez.
Commando. N'oublie pas les frais de transport, les frais de retrait, non, milliardaire. Oui, maman, voilà ça. Je sors de ça en boule, voilà. Voilà ce que je n'ai pas encore nettoyé. Voilà comment ça vient. Nettoyer, voilà ce qu'il y a à nettoyer. On casse seulement, tu vas me voir la machine, on écrase. Maman, quand tu tires. Quand tu tires. Amélie Marie-Lou, c'est comment? Commande le foufou, non, Amélie? Maman, j'ai le couscous en boule, maman. C'est pour les connaisseurs. Ça, c'est le goût des côtiers. Les Bamiléké ne connaissent pas trop le couscous en boule, mais c'est un très bon couscous. Il y a les gens qui ne mangent pas l'autre couscous, mais. Grâce William, oui, maman, voilà le numéro que j'ai, mon numéro que j'ai épinglé, maman. Mon numéro est là. J'ai épinglé mon numéro, écrit alors le 677 38 06 98. 697 677 38 06 98. Voilà mon numéro. Maman Marie-Lou, je suis en train d'enlever, non? Ça y a duré. Vous connaissez dit, maman, il y a un kiaki, maman. Je suis en train d'enlever. C'est que je cherche le ciseau pour couper, je ne vois même pas. Je suis arrivé hier nuit. Je suis en train d'enlever ça sur ma tête pour faire mes locks. T'es dit. Donc, commandez. Le milliardaire a pris un sac. Grâce William, tu veux aussi un sac. Tout me dit, je commence à prendre les commandes, pardonnez. Vous avez dit qu'on ne clash plus sur Meta, que chacun, toutes les blogueuses là, qu'on doit chercher ce qu'on doit faire. Moi, j'ai dit que moi, je vends que la nourriture, suis-moi dans la nourriture, donc encouragez-moi dans la nourriture. Parce que vous ne m'encouragez pas, je veux revenir dans les clashs. Après, c'est pour dire que oh, ma Dorcas ne sort pas des clashs. Venez m'encourager. Faites pas en brousse comme ça. Vous croyez que je veux rester en brousse? Non, c'est parce que je veux honorer les commandes des gens. Je suis obligé d'aller choquer moi-même. Parce que quelqu'un ne peut pas donner son argent. J'ai les gens que j'ai pris. L'argent, il faut que je les livre. Je dois commencer les livraisons à partir d'aujourd'hui là. Je dois commencer les livraisons. Il y a Claire et quoi? Qui m'a pris deux sacs de foufou. Je dois livrer. Au plus tard demain, là, ça doit être à Douala chez elle. Il y a plein de gens là qui ont passé la commande. Donc venez, ça là, voilà le nom. Le nom nettoyé. Voilà le nom nettoyé. Voilà le nettoyé. Vous avez vu, non? Couscous en boule. Ça, c'est pour les connaisseurs. Ceux qui connaissent la qualité. Ça, c'est pour les connaisseurs. Ça là. C'est pour les connaisseurs. Donc, je prends, il y a la commande du milliardaire qui a passé la commande d'un sac de foufou. Il y a aussi l'orphelinat Notre-Dame. Voilà ses colis. Ça va à la Douala là tout à l'heure. Elle a deux sacs qu'on a passé la commande que je dois lui donner. Il y a la PDG des bureaux qui avait passé la commande. Mais comme je partais en brousse, j'ai été bloqué là-bas, mais j'ai ramené les colis qui vont être livrés. La PDG m'a donné un sac pour l'orphelinat Notre-Dame. Et elle a dit qu'il y avait 5 000 qui étaient au-dessus. Elle a dit que je remette ça à la dame là. Je vais remettre ça à la dame. Je vais l'envoyer ça par OM. Il y a aussi une autre bienfaitrice. Elle est en Angleterre, je crois en Angleterre, qui avait aussi donné un sac à l'orphelinat Notre-Dame. Le colis part toujours aujourd'hui. Donc aujourd'hui là, elle va recevoir ça part sur Douala. Ses colis vont sur Douala aujourd'hui. Voilà. La reine galloise, j'ai encore 4 sacs à lui livrer. Elle m'a demandé de lui livrer le 7 parce qu'elle a un événement à Asda de Yaoundé le 7. Bon, maintenant, il y a milliardaire qui a dit que j'ajoute un sac pour Asda encore. Donc au total, la reine galloise aura 5 sacs de foufou, 5 sacs de nourriture. Ok? Milliardaire. Milliardaire. Voilà. Ok.
Allô? Je t'envoie un message. Tu peux regarder, tu me dis ce que tu fais. Sur WhatsApp, non? Oui. Oui, je viens de voir. C'est toi, non? C'est pour ma co c'est pour commander. C'est toi. Qui est maman là? Ah non, 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 maman, attends, je regarde. Oui, oui, oui. Tu m'as envoyé, tu as fait le dépôt. Maman, tu sais que j'ai trop de clients, maman. Je veux faire comment? Pardonner, maman. Ah oui, je vois. Mais tu n'as pas envoyé les frais de retrait. Ça va. C'est 2000, non, maman? 120 000 à MTN, c'est 2000 francs les frais de retrait. Envoie alors, maf, pardon. Ok, pour le numéro, le nom, si c'est bien. Oui. Attends. Oui, c'est mon nom, non, Mamvo. C'est mon nom. Voilà, tu vois, non? Voilà le message qu'ils ont. Voilà le message qu'ils ont écrit en bas que MTN peut déduire des frais de retrait. Si Dorcan Jinke décide de retirer, ils ont dit 2000 francs de frais de retrait. Voilà ça, le message que tu m'as envoyé, lui, tu vas voir. Donc, ils vont me prendre 2000 pour récupérer. Oui, tu as vu, non, maman? Oui, c'est bon. C'est bon, maman, c'est bon. C'est bon, maman. Ah, maman, merci, oh. Merci, maman. Pardon, commandez, non, mes gens. Commander pour que j'achète mon séchoir. Pardon. Le séchoir maintenant pour que j'ai un bon séchoir. Je ne sais pas combien on va me taxer. Parce que c'est doit avoir un grand séchoir qui peut produire en grande quantité. Il y a beaucoup le manioc au champ. Et la variété de manioc que j'ai mis au champ, 15 mois ça commence à pourrir. Donc j'ai déjà les pourritures au sol. Il faut absolument que je retire le manioc que j'ai au sol. Sinon ma récolte de cette année-ci, ça va être la catastrophe. Oui, ma, j'ai vu. Grâce, William. Je viens de voir, maman, que tu m'as écrit. Si je viens de voir, bonjour, Dorcas, c'est pour commander. Oui, maman. Et aussi, comment la récolte malgré plus ma fille. Eh, maman, les récoltes, c'est pas facile. Maman, les récoltes ne sont pas faciles. La pluie, mais maintenant, il veut sécher le foufou, il n'y a pas le soleil. Je suis comme ça à la recherche d'un séchoir. Vraiment. Je suis en train de supplier mes fans qu'ils m'achètent le foufou. Acheter pour partager même aux gens. Juste pour m'aider. Parce que quand il avait dit que envoyez-moi les étoiles, vous avez dit que oh, Dorcas vient demander les étoiles à Meta. Commandez le couscous, non, mes gens. Commandez même 5 ça vous donnez même aux orphelins, ils mangent. Je connais plein des orphelins. Les orphelins n'ont pas déposé l'argent, n'ont pas déposé là-bas. Hein, mes gens? Hein? Commandez pour que j'achète le séchoir. Commandez, non. Pardonnez. Commandez. Pardon. Commandez. Tu es à Douala ou à Yaoundé? Actuellement, je suis à Yaoundé. Mais tu veux qu'on te livre à Douala, on livre. Tu veux qu'on te livre à Yaoundé, on livre. Tu veux qu'on te livre à l'Ouest, on livre partout. Que les agences peuvent partir, on livre. Voilà. Pardonnez seulement. Pardonnez. Commandez non, mes gens. Vous ne commandez pas, il veut faire comment? Commandez. Commandez pour que j'achète mon séchoir. Là, vous n'allez pas dire que oh, Dorcas demande les étoiles. Vous commandez. Je livre la nourriture. Au moins, c'est quand je prends l'argent. C'est que j'ai travaillé pour ça, non? J'ai travaillé pour ça. Commandez, vous distribuez aux gens. Oui, Grâce William, dis-moi alors maman, je t'appelle Grâce. Grâce, je t'appelle. Hein? Ok, d'accord. Dès que je finis mon live, tu fais signe. D'accord, maman, il n'y a pas de problème. Thank you so much, Jinjo, Jofa. Thank you so much. Thank you. I appreciate it. I'll be waiting for you, my dear. Thank you. Eh, Ma tata si, c'est elle qui a fait fort chez la reine galloise, dans la team des USA. Eh, on dit que quoi?
Ma tata, si que vous voyez là, c'est une donatrice de la team des USA. Que je ne peux même pas blaguer avec elle. Une donatrice, c'est même pas les donatrices qui donnent là, qui font trop de bruit, non. Elle ne fait pas les bruits dans le noir. Mais elle est prête jusqu'à. Elle est prête. Et vous avez dit que la team des USA, c'est les practitioners, c'est les registraneurs, c'est les médecins, les pharmaciens. Ils ne veulent pas les insultes, ils ne veulent pas trop de bruit, non. Ils veulent les vrais projets. Ils veulent les vrais trucs. Hmm? Vous venez là avec les insultes, vous faites fuir les gens. Qui va encore les insultes? Moi, j'ai fait dans ça. Ça m'a rapporté quoi? Rien. Les insultes ne rapportent pas. Il n'y a pas plus insulteuse que moi sur Meta. Si c'est pour la grande gueule, vous savez, vous tous ici sur Facebook, j'ai la grande gueule, vous savez. Il y a le foufou en boule, maman. Regardez pour les connaisseurs. Voilà. Le bon foufou en boule. Ceux qui veulent le foufou en boule, voilà. Et il y a maintenant le foufou. Il y a les problèmes de soleil. Je n'ai plus le soleil. Et j'ai fait le manioc jusqu'à centaine de pourris. Il me faut un séchoir. Un séchoir. En anglais, on appelle ça. En français, on appelle ça. Je vais vous dire le nom. Hein. Attendez, donnez-moi une minute. Non, un hydratateur. Non, ça a un nom là. Un déshydratateur. Voilà. Voilà le nom. Tu veux pour 5 000, maman? Tu es à quel niveau, maman? Hmm? Est-ce que je détaille alors, maman? Je détaille. Pardonnez, venez. Commandez, mes gens. Commandez, non. Avant, vous me donnez les étoiles. Quand je clashais, même, vous me donnez les étoiles. Aujourd'hui, je fais dans autre chose. Je ne veux plus faire dans les clashs. Les clashs ne m'ont rien rapporté que des problèmes avec les gens. Je ne veux plus les problèmes avec les gens. Ok? Oui, maman, elle non. Elle va ramasser une fois tous les sacs qu'elle va à la maison. Je ne veux plus avoir les problèmes avec les gens. Parce que ça ne rapporte pas. Regardez sur Facebook tous ceux qui ont clashé. Regardez même Flo. Avant qu'elle clashait et maintenant qu'elle est sortie du clash. Regardez la différence. Les clashs ne payent pas. Et moi-même, vraiment, j'ai la paix depuis que je ne suis plus dans ces histoires-là. Hey, vous savez ce que c'est que réfléchir comment tu vas clasher quelqu'un le lendemain? Non. Pardonnez seulement, je ne veux plus faire dans ça. Por favor, mi amor, dame mi... Zapatos de la recámara. Gracias, señor. Gracias. Non, tu n'es pas pauvre. C'est dit que c'est pour les pauvres, ma. C'est que tu vas seulement toi-même venir, je sais pas, hein. Je sais pas comment on va faire pour que tu prennes ça. Franchement. Ouais, je réponds, non. Comme tu m'as écrit, t'as pas répondu. Pardonnez, j'ai combien de personnes qui ont commandé? Depuis là, deux personnes. Attends. Donc elle a fait le dépôt. Je vais regarder ça après. Eh bien, dites-moi alors. Dorothée! Tu ne vas pas chercher ce que tu vas manger. Va chez ton petit déjeuner. Desserve la boutique ici en bas. Tu ne veux pas manger? Non, ah. C'est le kousou samboul. C'est pour les connaisseurs. Je suis à Yaoundé pour le moment.
Voilà. Je suis au Dja. Voilà. C'est le Kousou Samboul, c'est ça. Voilà ce qui n'est pas encore nettoyé. C'est comme ça que ça vient. Voilà le nom nettoyé. Vous avez vu comment c'est doré, non? Le nom nettoyé est cela. Regardez le nom nettoyé. Voilà le nom nettoyé. Vous avez vu? Voilà le nettoyé de ça. Voilà le nettoyé. Non, depuis que je t'appelle, tu as appelé la moi, j'étais dehors, je suis monté dedans. Mmh. Bonjour Jolie Mekel. Venez commander le Kousou, non, vous n'avez pas les gens dans vos familles. J'ai envie d'acheter un séchoir, un grand séchoir, pour sortir le Kousou sans quantité. Si elle vient vous dire que envoie-moi les étoiles, j'achète le séchoir. Vous allez dire que oh, Doka demande, achetez le foufou alors. Je prends l'argent là, j'achète le séchoir. Faites même la commande de 100 sacs pour mes gens. Vous faites la commande de 100 sacs, j'achète un grand séchoir. Ce n'est pas comme si c'est, je vous livre la nourriture. Je vous livre la nourriture, non. Je vous livre la nourriture. Vous stockez la nourriture chez vos familles. Maman, il y a les mamans que le foufou arrivait. Hé hé. Si vous faites écouter le voice des Benguis tous les jours, que les mamans ont dit que hé hé, la femme là où. Oh 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 oh. Les mamans crient seulement. Je vends un sac. Le sac de 100 kilos, 55 000. Le sac de 100 kilos. Je charge ça bien. Ok? Je charge ça bien. Voilà. Le foufou. Voilà ça, le foufou. Deux heures seulement. L'autre roue a cédé. L'autre roue a cédé. Commandez alors, mes gens. Ouais, pardonnez. Commandez. Depuis là, rien que deux commandes. Vous faites ça comment maintenant? Après qu'elle veut rentrer dans les clashs, vous avez dit que Dorcas aime les clashs. C'est vous qui aime ramener dans les clashs. Vous avez dit que chacun peut chercher ce qu'il va faire. Que les blogueuses arrêtent de nous souiller avec les insultes, avec les clashs. Cherchez ce que vous allez faire. D'autres vendent les habits. D'autres vendent les perruques. D'autres vendent les njansans. D'autres font dans les soirées. Moi, je suis dans la nourriture. Chacun a son couloir, non, mes gens. Les quotas du Japap. Hein? Chacun est dans son couloir. Voici ma part de couloir, la nourriture. Venez commander, pardonner seulement. Pardonner. Donc. Garçon bio, c'est vrai. Commande à le Kousou, garçon bio. Tu n'as pas de famille au Cameroun que tu peux me dire d'aller livrer la nourriture là-bas. Garçon bio, tu n'as pas de soeur au Cameroun, tu n'as pas de frère, tu n'as personne. Côté du Japap, tu n'as personne au Cameroun que tu peux donner la nourriture. Si tu n'as personne, il y a les orphelins. Je peux aller donner même dans un orphelinat. Les enfants la mangent. Commandant alors. Milliardaire Maya a ouvert le marché. Milliardaire, tes mains sont dures. C'est toi qui as ouvert mon marché aujourd'hui. Je sais qu'avant la fin de la journée, tu es une bonne personne, tu as un bon esprit. J'aurai beaucoup de commandes. C'est toi mon premier client aujourd'hui. Milliardaire, j'écris d'abord ton nom. Tu as vu que la reine galloise, tu as vu, elle avait reçu ton collier. Tu as vu comment elle t'a remercié en direct. Moi, la nourriture des enfants, elle ne m'amuse pas avec. Moi, je suis mère d'enfants. Milliardaire. Un sac. De couscous pour la reine galloise. Voilà. Ok. Je vais voir ça, même acheter et faire des dons. Voilà les quotas du Japap. Pardon, je te mets combien de sacs, quotas du Japap? J'écris ton nom, non? Quotas du Japap. Je mets combien de sacs, maman?
Tu vas livrer combien de sacs? Il y a les orphelinats. Hein? Là où tu l'orphelinat que tu me dis d'aller livrer là-bas, je vais aller livrer. C'est toi-même qui choisis. Si tu ne connais pas les orphelinats, tu fais les propositions des orphelinats. Même chez la reine galloise, là où tu veux, chacun me dit seulement là où il veut que j'aille déposer. Si c'est dans vos familles, je n'ai pas déposé. Le sac de couscous fumé, je laisse à 55 000. Bon prix, parce que j'ai le couscous en abondance. Le couscous, il coûte cher sur le marché. Le couscous, c'est que vous voyez là, comme ça. Là. Tu pars sur le marché, le couscous, c'est un comme ça, 300. Si c'est trop moins cher, 250. Le couscous, c'est que vous voyez là. C'est cher sur le marché, grave. Mais moi, j'ai beaucoup le foufou. De vous faire un sac de 100 kilos, et ça, là, peut faire même 2 ans. Et voilà mon chat. Ça peut faire même 2 ans à la maison. Hello. Le couscous, c'est que vous voyez là. Donc, tu mets à la maison. La maman est garantie. Et c'est un couscous qui gonfle. Tu prends 3 seulement comme ça là. Ça remplit la mamie. 3, ça remplit la mamie. Le couscous, c'est que vous voyez là. Donc, voilà. Non, les quotas du Japon. Est-ce qu'elle dit que tu me donnes ton nom? Tu me dis ce. Hein, les quotas du Japon. Tu me dis seulement le nombre de sacs que tu veux, non? J'écris. Tu veux combien de sacs? Après, maintenant, on cause. Est-ce qu'elle dit que, comme tu as dit là, tu me. Non, tu me dis seulement que je sais que dans ma tête. Combien de sacs? Les quotas du Japon. J'écris ton nom. J'ai écrit pour le milliardaire. C'est ta personne, non? Maintenant, les quotas du Japon. J'écris combien? Quota du Japap. J'ai qui combien de sacs? Arrête de rire ici, donc tu ris quoi? J'ai qui combien de sacs les quotas du Japap? J'ai qui combien de sacs? Hey, attends comment? Le milliardaire dit là, que donne-moi un sac. Est-ce qu'il m'a donné l'argent? Mais il m'a dit que je prends un sac. Si tu dis aussi que je prends un sac, ça fait quoi? Hein? J'attends quoi? On attend quoi? Je suis au marché, je dis que j'attends, il veut rentrer ma marchandise. J'attends quoi? Parle vite, c'est pour le soco, tu es fort. Oui, je livre à Douala, Delphine. Passe ta commande, Delphine. Je livre à Douala. Hein, Delphine? Oui, je livre à Douala. Ma cola rose, c'est comment non, ma? Maman est sur le marché, je suis en train de vendre le couscous, ma chérie. On a dit qu'on doit sortir du Congo, ça. Qu'on doit sortir des clashs. Maman, je suis maintenant qu'au marché, vends-moi la nourriture. Ma cola, tu es Douala, voilà votre goût. Voilà, les couscous en boule là. Maman, c'est votre nourriture ici, non, ma cola? C'est vous-même ici, là. C'est votre nourriture. La nourriture des Douala. Voilà ça. Koussou Samboul pour les connaisseurs. Je livre à Douala. Je livre à Douala. Passez vos commandes. Delphine. Voilà mon numéro qui est épinglé. Écris-moi sur WhatsApp, Delphine. Si tu veux le couscous, je livre à Douala. Voilà ce que je n'ai pas encore nettoyé. Vous avez vu comment c'est doré, non? Regardez. Doré. Voilà ça. Ce que je n'ai pas nettoyé, voilà. Voilà ce que je n'ai pas nettoyé, vous avez vu. Voilà. Voilà, ciao, c'est ça, Mako. C'est la nourriture, c'est les côtiers qui mangent beaucoup ça. Mais c'est un très bon couscous. Moi, mais j'ai goûté, c'est très bon. Donc, voilà ça. J'ai écrit le nom de qui encore. Eh, hey, Mako, quand tu vois comme ça, tu te rappelles du pays. Tu dis que, hey, le bon couscous du pays. Voilà. Voilà ça. Venez alors passer la commande. On vous livre, non? Les quotas du Japap, tu n'as pas passé ta commande. Hein? Et demande-toi, tu parles de Delphine. Mako, tu dis quoi alors?
Japap dit qu'il paraît que tu es la vice-présidente des blogueurs maintenant, maman. Félicitations à toi. Il paraît qu'on a destitué un court blogueur quelque part. Là, maman, la défabrication de ça. Descente en Chili. Ah bon? Tu passes à comment, non? Tu me dis là où je vais laisser pour qu'on te ramène ça. Ah, ça, le bon couscous. Le bon comme au bout de ça. Il y a Claire et quoi que je dois livrer. Je dois livrer le couscous de Claire et quoi ces jours-ci. Probablement demain, je dois livrer son couscous. Marion, j'ai papa, ça comment? Tu ris quoi? Tu n'as pas de famille au Cameroun à qui tu peux livrer la nourriture, Marion. Ou tu veux seulement te moquer de moi comme je suis au marché, vends le couscous. Mais vends-moi que la nourriture. Je vais acheter le séchoir, Mako. Je veux l'argent. Passer la commande pour que j'achète le séchoir. Passe alors la commande, mes gens. En même temps, ferrez-moi. Mako, il y a quel Japon. Entre dans le live, tu m'as fait, non, Mako? Mako, entre dans le live. Je sens qu'elle va aller faire le tour là, ça. Non, pas. Attends, papa Max. Ouais, elle vient remettre le salon par. Vous ne pouvez pas faire. Vous... Maman, on a des situations coupées là, maman. Depuis ma jeune taille économique du Cambino. Marco, Marco, c'est ça, maman. Félicitations, tu es devenue la vice-présidente. C'est ça, Marco. Blogueur, oh, ah oui. Je lutte pour les intérêts de tous les blogueurs positifs. Ah bon, hein? Voilà. Ça, oui, c'est oui, bien, oui. Maman. Et toi, tu as pas de problème. On a destitué deux pour ma genou. Oui, 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 du Cambino, deux pour ma genou. Oui, maman. Félicitations à toi et Bertrand chez Saumon. Voilà. Et si Bertrand ne remplit pas bien ses fonctions, tu prends la place, c'est tout. Oui, non, non, il va remplir. Il va voilà. Remplir. Parce qu'il parlait qu'on le sauve. En fait, on a sauvé Bertrand des mères du Cambino. Parce que Bertrand était en train de vouloir gâter du Cambino était en train de gâter Bertrand. Alors que Bertrand, c'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter sur la toile, qui a beaucoup de charisme. Il a aussi. Voilà. Et du Cambino était en train de vouloir le détourner. Donc, l'a arraché d'une main de fer. Mais donc, tu lui a donné le poste. Tu sais que Bertrand Chic, il n'est pas vraiment. C'est quelqu'un qui change du jour au lendemain. Hein, donc, je pense que non, là, maintenant. Et il va prendre à ses dépens. Il est rangé maintenant. Il va prendre sa posture de président. Et ouais. Parce que c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il attend. Voilà. C'est une condition la paix qui tourbillonne. Nous, on a vu ça. On a contrecarré. On a contrecarré. Ça tape là où il est là. Il peut mourir. Là où du Cambino. Maman, les pleurs. Du Capou type Maningolais. Il dit que oh, Flore. Mais maintenant, ça, c'est le tribalisme. Oui, pleure que c'est le tribalisme. Il est. Quand il avait d'abord mis là-bas, il était Bamileke. Je Wanda. Ils sont tous quand ça les dépasse. Maman, pourquoi les gens sont comme ça? Quand on les destitue, c'est les pleurs partout. Oui, même Gossa a tapé poteau dans sa soirée. Elle accuse le tribalisme. Elle dit que c'est le tribalisme aussi. Parce que sa soirée. Elle avait une soirée. Oui, oui, samedi dernier, non. C'était un gros poteau. Maman, le poteau de ça. Le poteau était lourd. Elle est sortie de là. Elle dit que c'est parce que on a créé un truc sur la toile que les yamseurs, que le tribalisme, que les yamseurs. Elle dit que maman, quand tu mangeais avant, c'était... Les containers, c'était où? Les containers, on l'a tout abandonné, même son frère Amer, il n'était pas à la soirée. Les containers, ils sont seulement dans le noir pour crier que « Oh, saleté! Eh, saleté !» Allez soutenir sa personne. Mitouba pompé Bobolo. Elle allait faire la star en Côte d'Azur. Elle a abandonné Moussa. Bon. Je te dis que c'était le poteau. Maman, c'était le poteau. Le poteau là était lourd. Elle sort de là. Au lieu de gérer son poteau, elle vient encore chercher les problèmes sur la toile. Que oh, vous avez créé quelque chose que les yamseurs. Hein, vous ne voulez pas qu'on mette une fille Bassa en haut. Je dis que maman. Alors que c'est les Bassa. Quelqu'un doit offrir un contenu.
Voilà. Moi, j'ai tout dit que la fabrication, on peut te flo, même flo, là, peut te fabriquer. Si tu n'as pas un contenu, ça ne va aller nulle part. Maman, maintenant, alors, elle finit de venir dire comme ça. Hein. Voilà, alors, l'organisatrice de la soirée qui sort avec un loup direct des pleurs de Mbolet. Que, wow, les gens avaient dit que, les gens disaient que Singo Sahel, là, ils ne viennent pas. Que Singo Sahel, là, ils ne viennent pas. L'organisatrice de la soirée, hein, ouais. Les pleurs de ça. Oui. Mais est-ce que c'est bien alors comme ça? Ouais. Ah, c'est pas bien, mais maman, quand c'est que tu sèmes, tu récoltes, non? C'est le karma. Tu penses que les gens qui disaient que, est-ce que ce qu'elle a aussi fait là, c'est bien? C'est les parce que l'organisatrice de la soirée dit que dans la salle, les gens qui étaient là, la majorité, c'était les Bamileke et quelques Yaoundé. Mm-hmm. C'est les Bassa qui l'ont pour écouter. Et toi, et bon, c'est pourquoi la salle. Alors, elle avait même beaucoup fait la promotion que pour que les. c'est quoi les Ndabiko ou c'est les Ndabiko là? Voilà. Et toi et moi, on sait pourquoi les Bassa ont l'homme de côté. Monsieur Messarna n'est pas n'importe qui dans la communauté des Bassa. Tu as vu comment elle a traîné Monsieur Messarna dans la poubelle ici. Tu penses que les Bassa ont digéré ça? Les Bassa n'ont pas digéré ça. Donc c'est ça, c'est le karma. Quand tu fais, il faut qu'elle se remette en question, il faut qu'elle se revoie. En tout cas, le poteau était très lourd. Le poteau était très difficile à soulever. Hein? Le poteau était lourd. Je t'ai dit. Donc, tu as voulu que je t'affaire. Tu sais qui se passe en tant que. Maman, en quelques minutes, tu m'as donné le briefing du Soko. Voilà. En tant que vice-présidente, et moi, je suis là pour défendre les valeurs de tous les membres de la diaspora positive. Et toi, tu en fais partie. Chaque fois, quand je ne finis pas sans faire ta pub, hein, j'ai dit qu'elle allait acheter. Les sacs de couscous, le manioc, le macabo chez Mako, vous donnez à vos familles, vous donnez dans les orphelinats. Maman, c'est ça que je suis en train de les supplier que ma, je vais acheter un séchoir, le soleil, je n'ai plus. J'ai les commandes de foufou, il n'y a pas le soleil, il veut sécher comment? J'ai dit qu'il commande, il prend l'argent et pas acheter un grand séchoir. Comme ça, je vais livrer en temps réel aux gens. Quand il demandait les étoiles, on disait que, oh, Doka demande les étoiles. Maintenant, il dit qu'acheter le foufou et pas livrer, il prend l'argent là, j'achète mon séchoir avec. Donc c'est un peu ça, tu vois, non, c'est ça sur la toile, maman. Maintenant, elle dit aussi que toujours elle est celle qui a tapé le poteau, la Mossa, qui a tapé le poteau. Elle dit que la salle n'était pas pleine parce qu'elle n'a pas le talisman sur la main. Donc en gros, pour elle, Flore remplit le marché central parce que Flore a le talisman. Quand Flore s'écoule le talisman, les gens viennent remplir la salle.